Gangnam Style. Eh bien salut tout le monde, c'est PXN et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo tuto Kama. Donc c'est la première vidéo que je fais tuto Kama pour qu'il s'agit d'un métier. Mais il s'agit d'un métier tout simple hein. Donc c'est l'alchimiste. Donc il faut être minimum, attends, je vais vous dire pour avoir la technique, mais il faut être quand même très bas level hein. On peut le faire dès le niveau 1 hein. Donc je pense que level 20 c'est bon pour avoir les dégâts de 100%. Et nous ce qu'on va faire c'est cette potion là, potion de bibliothèque. Donc si on savoir, elle coûtait quand même assez cher, les 100. Je vous montrerai. Donc il faut os de chauffeur et ongle de cani. Bon, par contre moi je vais j'ai acheté les 100 les 100 os de chauffeur, mais moi j'ai pas besoin d'en avoir 100 de bibliothèque. Donc je vendrai ce que je ferai, parce que là je suis encore un peu en manque de kama. Et il faut que je stuff mon nouveau perso que je suis en train de monter. Donc les de chef bon, il n'y en a plus, mais sinon regardez, je l'ai payé de chauffeur 15 000 kama. Et les ongles de cani 21 000. Donc personnellement moi je les drop, les ongles de cani. Donc 21 000, bon, on dira 22 000 plus 15 000, ça fait 34 000 je crois, non 33, non excusez-moi, je suis pas arrivé là. Donc ça fait à peu près dans les 37 000, ouais, oui ça fait 37 000, donc ça fait 37 000, mais bon, vu que vous avez, si vous, je vous conseille quand même de drop, c'est plus rentable. Moi j'achète juste les œufs de cani, les œufs de chauffeur, et ensuite je drop les ongles de cani, puisque je fais des cani, vu que je dois up mon nouveau perso, et je ne vous dis pas c'est quelle classe, vous le saurez plus tard. Donc bibliothèque, vous voyez 47 998, donc ça fait quand même une marge de camarade. Bon, pas énorme, mais c'est quand même déjà. Donc si vous, ça fait quand même une marge de 30 000 kama à peu près, si vous si vous achetez juste les autres, et puis bah ça vous fait grind, ça vous fait 47 000 kama si vous en faites si vous droppez, si vous full drop. Ou aussi vous pouvez demander à votre guild, ouais, est-ce que vous serez passé, vous aurez pas ça. Ou alors les ongles de cani, moi les autres je les trouve faciles dans les dans les poubelles. Donc ou si c'est comme je vous dirais une autre technique, bon, celle-là je la fais pas parce que elle avait baissé, mais avant avant on faisait une technique, bah, je faisais une technique que j'allais vous montrer, c'était potion minérale. Mais bon, les Silex maintenant je trouve on les trouve facile, bien qu'ils les jettent et tout, c'était pas mal, mais bon là elle a baissé. Elle vaut 20 000 maintenant, et puis bah les, personnellement moi j'ai pas envie de faire mineur, donc c'est quand même assez cher les états. Mais bon, alors donc potion bibliothèque, fusionner. Donc je vais arrêter la vidéo jusqu'à temps que ça fusionne, et on se retrouve après. Et bien heureux, donc nous avons enfin les potions de créer. Donc ça c'est vraiment une technique quand même assez simple hein. Personnellement vous pouvez les acheter, vous allez les acheter à un quart, mais les autres chauffeurs c'est vraiment assez simple, vous allez juste les drop. Donc aussi vous pouvez aussi, ce que j'ai remarqué c'est que vous pouvez aussi vendre les ongles de cani, vu qu'on les drop, ça vaut quand même assez cher les ongles de cani quand même, parce que vous regardez 22 000. Mais bon, c'est mieux de vendre ça. Donc je regarde. Et donc oui, je vais vous donner aussi une technique pour pas faire comme les noobs qui font baisser les prix, qui me tuent beaucoup. Donc vous voyez,
Oui, ça vaut 47 998. Et vous aurez tendance à mettre un Kama plus bas. Et donc si tout le monde fait ça, bah le prix se casse la gueule. Et donc, vous mettez juste, donc vous mettez votre truc. Et vous mettez la même somme. Mais vu que c'est le vote, vu que c'est vous qui l'avez mis en dernier, ça va être le vote qui va passer en premier. Donc c'est une petite technique. Ça marche surtout. Hein. Ça marche surtout. Donc oui, si vous pouvez choisir une autre technique sur ça. Donc je choisis beaucoup de techniques sur les alchimistes parce que c'est très simple à monter. Personnellement, je l'ai monté level 45 en un jour ou deux, je crois. Je vais vous faire ainsi le tuto pour monter vite. Donc en fait, soit des lueurs de boulanger, c'est très simple à faire. Ou alors, vous faites. Attendez. Vous faites aussi les potions de bibliothèque, hein, vu que c'est level 1, c'est simple. Ou aussi potions de rappel, ça c'est très simple. L'eau, vous les achetez à. Faites pas l'erreur de les acheter en HDV, parce que ça coûte super cher. Enfin, ça coûte plus cher, vous les achetez juste à une taverne, et puis bah, les trèfles à 5 feuilles, vous pouvez les drop, ou alors vous pouvez les acheter, ça coûte presque rien. Et après, vous pouvez vendre vos popos de rappel. Donc les popos de rappel, ça vaut quand même assez cher. Donc, ça coûte pas énormément cher, mais ça coûte cher. On va voir avec vous. Vous voyez, 4 500, ça vous fait quand même une marge. Donc si vous voulez faire des potions de Gonta ou des potions de Braque, mais ça c'est pas vraiment rentable parce qu'il faut aller faut faire être paysan, du riz et tout. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne, que ça vous plaît. Faites tourner la chaîne si ça vous fait plaisir, ça me ferait grand plaisir et ça m'aiderait plutôt à l'évolution de ma chaîne. Bon, bye.